Bonjour à tous. Alors pour ceux qui voient cette vidéo, je rappelle, chaque vidéo est indépendante. Il y a des personnes qui nous disent encore, oui mais je comprends pas, les autres vidéos sont positives alors que celle-là est négative, en référence à celle que j'ai fait hier. Mais voilà, prenez chaque vidéo de manière indépendante. Les messages ne sont pas pour tout le monde et ça faut bien le comprendre. Donc posez-vous, écoutez ce qui vibre avec vous dans une vidéo. Peut-être il y a une phrase qui vous concerne, un mot ou toute la vidéo. Il s'agit pas de tout prendre au pied de la lettre et tout prendre pour soi. Si elle vibre complètement avec vous, c'est OK. Si après vous avez besoin d'entendre juste un mot ou une phrase, cela vous concerne à un moment donné. Sachez écouter ce qui vibre ici, pas ce qui vibre dans la tête. Prenez le temps justement d'écouter. Et justement, au travers de ceci, moi je te parle de tes projets. Et ce qu'on te dit plus que jamais, alors pour toi qui tombe sur cette vidéo, peut-être de manière inopinée ou par hasard, comme on dit, entre guillemets, le hasard n'existant pas, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que tu es à l'aube de profonds changements. On te parle clairement, tu vois, de ce renouveau qui est en train de se mettre en place, la cigogne étant le synonyme de la naissance, renaissance. Et on voit que jusqu'à présent, tu avais besoin de changements, tu sens qu'il y a de nouveaux. Des nouvelles aspirations qui arrivent pour toi. Et tu vois, vraiment ce qu'il me dit, c'est que j'ai cette maison qui ressort. Et ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, ben voilà, tu es aujourd'hui, si tu te posais la question s'il fallait déménager, s'il fallait changer de domiciliation, s'il fallait changer d'endroit où tu vivais parce que c'était devenu trop compliqué, ou tu as peur que les événements du passé marquent encore, tu sois encore marqué par ça, que ça te revienne tout le temps. Comme un cycle et que les gens vont parler. Ce qu'on te dit, c'est que c'est le moment. C'est le moment de mettre en route de nouvelles choses pour toi. On te parle effectivement de ce déménagement dans une belle maison, ou en tout cas une maison qui vibre constamment avec toi, parce que c'est le moment d'acter ce départ pour toi, ce changement. C'est peut-être, tu vois, on te dit bien qu'il va falloir que tu fasses attention, et le conseil que l'on te donne là-haut, c'est attention, autour de toi, dans ton environnement proche, il y a de la manipulation, il y a des. Ça parle, ça jacte, ça te montre du doigt. Et en fait, aujourd'hui, il s'agit surtout de te détacher de ça. Tu sais, parfois, comme on dit l'adage, c'est bah, vivons. Je me rappelle même plus d'ailleurs comment il s'appelle celui-là. C'est Vivons cachés. Alors si vous en rappelez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que là j'ai un petit doute. Pour vivre heureux, voilà, vivons cachés. Et là clairement, ce qu'on te dit, c'est bah, dans tes projets, n'en parle pas trop. Prends le temps de te poser parce qu'on te dit clairement que c'est pour défendre tes intérêts. Des gens sont là pour te juger. Des gens sont là pour te critiquer. Tu vas être entre guillemets marqué au fer rouge. Et pour toi, il s'agit de prendre ce nouveau départ pour lâcher justement les choses du passé. Il y a effectivement, tu n'es peut-être pas responsable de ce qui s'est passé, mais toi, tu as besoin aujourd'hui d'évoluer en paix, de vivre en paix pour ce que tu es. Donc, et on te dit que parce que tu as de très belles énergies et tu n'es pas responsable de tout, que ce soit la séparation avec une personne, un changement peut-être professionnel, des circonstances familiales qui sont difficiles, et que pour le moment, ces ennuis que tu as ne seront que passagers. C'est pour ça qu'on te dit, en créant l'intention de partir et en actant les changements, tu romps un cycle en lien avec là où tu as vécu. Et notamment, ce nouveau départ fera de toi que tu entreras dans une nouvelle énergie. Parce qu'on voit bien que de toute façon, les ennuis, si tu restes à cet endroit, vont perdurer. On te parle de tristesse, de tourment, de pénibilité, d'alourdissement. Donc, si tu n'es pas dans l'action personnelle, tu vas rester bloqué dans ces énergies qui vont te mettre à l'épreuve. Prends conscience de ta force. Aujourd'hui, tu vis certes une épreuve, mais dans chaque épreuve, vous regarde un petit peu pas la puissance, mais tu vois cette force que tu as derrière de combattre toujours ce qui vient te troubler, ce qui vient te perturber. Tu es une personne lumineuse, n'en doute pas. Aujourd'hui, il est temps d'acter les changements dans ta vie, notamment ça passe par ce nouveau départ. N'aie pas peur d'y aller parce que pour moi, ce que je ressens, c'est si tu entends ce message, c'est que clairement, toutes les situations vont être favorables à ce changement.